Allez, du coup, on continue, les amis. Donc, on va aller à. Et toi, tu peux me donner un conseil, Reden? Tu gardais tes points jusqu'à un moment? Les points. Les CP, là, je sais pas quoi. Ouais, les points que tu gagnes quand tu fais les défis. Ouais. Ouais, je les garde moi parce que. Enfin, les CP, les points que tu achètes avec l'argent, je les dépense pas. Parce que du coup, j'attendais pour acheter le pass. Mais les points que tu gagnes, les points que tu gagnes en jouant, c'est en faisant des défis, etc. Ces points-là, je les stocke et quand il y a des nouvelles armes qui sortent en gratuite, bah, je les prends pour les tester et en faire des vidéos. C'est Call of Duty. En vrai, j'ai animé tout seul le chat, ouais. Tu peux acheter des skins. Ouais. Et tout. Ouais, avec les points que t'achètes avec du vrai argent. Mais pourquoi ça me fait que multijoueur? Là, c'est On peut faire que du Aphrodite. multi? Là, c'est à. Qu'est-ce qu'il y a? Aphrodite. Combat? Tu sais, Pas tu Aphrodite. n'as Si, plus c'est rien à prouver? Aphrodite. Je suis Arès. divin de partout, Aphrodite. Et je Pourquoi sais pas. Ah oui, et elle est là. Et là, on va avoir Athéna. Faut bien voir un peu la tête qu'elle Combien a ça une fois qu'elle est redevenue grande. Tu l'as? Bon, naissance. Comme nous l'avions prévu. Tu es prête? Et comment on fait pour changer de personnage? On peut changer notre perso? Ouais, dans Dans des la persos. personnalisation. Je crois. Dans équipement? Non? Ouais, Arsenal, ouais, équipement, et tu regardes après ton perso. Je sais plus où c'est que c'est. Allez, voyons voir à quoi va ressembler Athéna. En grande. Tu m'as fait adopter le Athéna, jeu. Et pourtant, dieux j'y arrive pas sur la immortels play. œuvreront de concert. Oui, mais parce que c'est sur téléphone, c'est pas pareil. Oh, elle est stylée, Athéna. Sous ton commandement, bienveillant et avisé. J'ai découvert des classes. C'est comme des magnums, mais Raphaël. J'ai retrouvé ma forme. Mais franchement, tu en as mis du temps. Tu aurais pu te dépêcher. Et sache que les ailes que tu portes sont dangereuses. C'est quoi le mieux pour jouer? Multijoueur ou... De toute façon, t'as que du multi, donc. Boit-elle. Et c'est reparti. De toute façon, tu peux pas jouer. Elle a toujours quelque chose à dire. Waouh, Athéna, contente de te revoir. Ah, mais tu mais, peux pas faire le battle? Voilà quoi. Si, t'as le Battle Royale, mais moi je n'aime pas le Battle Royale de Call of Duty Moi, Mobile. Il est peut-être Si, temps tu de me peux. montrer plus judicieuse dans mes jugements. Tu sais, je t'admire vraiment. Tu es mordante, mais Attends, il faut tu es être niveau sage 7 aussi. pour faire le Battle Royale. La plupart du battle... temps. Merci, Phoenix. Allez, Nous la allons établir ensemble la minute. Un plan réfléchi. Mais... on pourra quand même taper sur Typhon, n'est-ce pas? Phoenix avait appris... Qu'être critique, intransigeant, voire entêté, n'était pas toujours un défaut. Cela peut apporter l'assurance requise pour rejeter un mauvais conseil. J'aurais peut-être dû écouter Athéna plus souvent, au lieu de vouloir tout le temps avoir raison. Peut-être le grand Zeus est-il faillible finalement? Ah oui, mais non. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mes jugements sont parfaits. Tu m'as enchaîné à un rocher. Un aigle vient tous les jours me dévorer le foie. Oui, je sais. Allez, hop, quête terminée. Alors, dis-moi que j'ai les 8000. Non, pourquoi je suis retombé à 171 là? Pourquoi je suis retombé à 71? Allez, je suis mort. Wouh! C'est quoi cette J'ai trop arnaque bien là? joué, moi. Pourquoi je suis retombé à 71 alors que j'en avais... Attends, c'est quoi cette arnaque là?
Me dis pas que c'est à force de crever que je suis retombé à... Putain. Bon, c'est pas grave. J'ai 3 dieux sur 4. Ça passe. Maintenant, il faut que j'aille... ici. Donc le plus près pour m'y amener. Il n'y a pas une TP le plus près. On peut pas agrandir le truc de la manette? Ah ouais, on peut relier une manette du PS4? Hein? Tu peux relier une manette au téléphone? Ouais. Tu fais comment? Ben, par Bluetooth. Dans les paramètres. Mais il faut que tu aies une manette qui fasse Bluetooth et qui soit connectée, compatible avec ton téléphone. Et comment je sais? Mais qu'elles sont compatibles? Ah ben, ça, je sais pas. Faut que tu ailles dans les paramètres du jeu et tu testes. Les PS4, elles sont pas compatibles. Je sais pas, Anad. Teste. T'aimes pas tester, hein. T'aimes bien que tout le monde te dise tout, hein, quand même. Hein. C'est bon, j'ai rien demandé. Oh. Test, je sais pas, moi, si les manettes de PS4 sont compatibles. D'ailleurs, je suis choqué sur moi, j'ai une manette de PS... de Xbox. Là, j'ai la boîte d'une manette de Xbox. T'as 1300 mètres. Oh, attends, ça c'est bon ça. Putain, je suis deg, j'ai plus mes 8000 diamants là. Putain, hein, ça me casse les couilles, pourquoi je les ai plus? Putain, j'en ai plus que 71, il m'en faut 8000 frère, laisse tomber. Putain, c'est casse. On doit aller à 1200 mètres là maintenant. Oh non, il est pas revenu lui. Ouais, c'est quoi ça? Mais putain, mais... Ah, que ça me gonfle. Putain. Faut que je mette mon Bluetooth sur mon téléphone. J'ai mis la connexion Bluetooth. Allez, nice, ça c'est fait. Yo, Ukyo, comment tu vas? L'idée d'Athéna d'atteler des bœufs pour le labourage a été utile à ces fermes. Sur un sol si riche, les récoltes étaient abondantes. On va par là. Yeah.
Contrée de la forge. Steven, elle est toute compliquée là, on se casse. Elle est où la grosse statue? Elle est là. Hop, on va aller sur la grosse statue. Ça marche pas quoi, paramètre. Je suis mort. Oh, fais chier. Ah. Une manette, ce serait encore meilleur. Ouais. Faut que tu trouves une manette. Mais... Ouais. Je mets quoi sur internet? Manette compatible avec Call of Mobile. Ouais. Ou... Mais la manette, elle est compatible par rapport au jeu, par rapport au téléphone. Plus au jeu. Téléphone. T'as vu, il y a un cercle, comment tu fais pour la grimper? Y'a quoi? Le joystick, comment tu fais pour la grimper? Tu peux pas. Mais pourquoi ça veut pas faire, bordel? Tu peux pas agrandir le joystick. Ah, excuse-moi. Putain, mais pourquoi elle se déco? Oh, ça me saoule. Je pense qu'on va pas tarder à aller au dodo, parce que c'est en train de me prendre la tête. Ce sera un épisode très court. Tu revis. Comment ça se... Quand tu meurs. Que... Mais parce que tu peux pas faire le jeu, va pas se terminer parce que t'es mort.
je recharge la dernière sauvegarde. Voilà. On fait les couilles, ça. Taureau de Colchis du roi Aethes, des bêtes en bronze complètement inutiles. On ferait mieux de les fondre. On va faire ça et puis on va esquiver les combats. Hein. C'est en train de me bouffer les couilles. Du feu sur ceux qui approchent d'eux. Si ce crétin de Jason a pu les atteler pour labourer la terre, n'importe qui peut le faire. Au pied de la grande statue se trouvait une enclume, un objet en soi vulgaire, mais qui pouvait donner naissance à la beauté. Et là se trouvaient les tenailles d'Héphaïstos, qui l'enfonçaient profondément dans les feux ardents. Et l'eau glacée. Enfoncée. Car ces créations exigeaient des températures extrêmes. Quoi? Non mais c'était... C'est tout ce qu'il pouvait faire. Parce que, enfin tu vois, franchement... Il suffit de regarder. On peut pas dire que... C'est bon, tu as fini? Oui. 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 Enfin... Après une longue escalade, Phénix atteignit le gros marteau d'Héphaïstos. Oh, pardon, pardon, non, j'arrête, promis. Ah, ça c'est fait. Ah, la contrée de la forge. Ses nombreux ateliers. Ces sommets majestueux. Tu nous fais le guide touristique ou quoi? Les créations de jadis, dévastées par l'inextinguible soif de destruction de Typhon. Oh. Quelqu'un a vécu, a travaillé et apparemment a été heureux ici. Certainement pas Héphaïstos, alors. Ce peureux qui chiale et se plaint tout le temps. Il n'a jamais souri de sa vie. As-tu jamais écouté un seul mot de son histoire? Les choses ont changé. Oui. Du coup... On va descendre.
Je m'ennuie. Pas toi. Bah pas moi. Moi je suis en train de jouer à mon petit jeu pépère. Je me prends la tête sur ce jeu, mais je vais pas tarder à couper. Parce que demain je dois me lever très tôt. Et Nick t'es mort de vous. Allez. Oui, ça a l'air dur, le jeu il est pas simple. Maintenant, peut-être un joli sourire ici. Splendide. Qu'est-ce que tu fais? Ah, rien. Rien du tout. Enfin, quelque chose. Une chose. Je m'appelle Phoenix. Qui... Qu'est-ce que tu es? Oh, un dialogue? Avec moi? Allez, on s'est préparé. Pas de panique. Qui sommes-nous tous, au fond? Nous sommes le reflet de nos actes. Et moi, je fais de l'art. Je suis donc un artiste. Tu aimes cet art. Alors, tu... Si, ça sert à rien de venir pleurer, frérot. Je suis une guerrière. T'as qu'à faire des vidéos, hein. T'as une chaîne YouTube, tu peux donc faire des vidéos et des lives. Hein. C'est juste toi qui reste fixé que sur les lives, hein, frérot. C'est logique. Ne le prends pas mal, mais tu ne ressembles pas à une amatrice d'art. Mais ceci t'illuminera peut-être. Une petite boîte? Quoi? Non, ça c'est ma période artistique. Comment je vois combien de films je l'ai signé d'ailleurs. Garde-la. Hein? J'entends rien. Je n'y comprends rien. Combien je fais? Comment je vois combien de films j'ai fait? Sur téléphone, je sais pas. Moi j'y joue sur PC. Tu es Hephaïstos, c'est ça? Je suis tellement heureuse de te rencontrer. Non, pas celle-là. D'accord. Très bien. Oui, c'est parfait. J'en ai d'autres. Non, Trixie, parce que si je le fais pour toi, il faut que je le fasse pour tout le monde. T'as pas une meilleure raison que les autres qui volent les minias. T'as pas une meilleure raison que j'enlève le strike. Et encore une fois, si le live c'est ce que tu kiffes, t'as qu'à aller sur Twitch, frérot. Et tu pourras live. Oh, mais il force lui, hein. Oh la lourdeur, hein. Confusion ou extase? Es-tu habité? Non, c'est ma tête. Comment peux-tu faire de l'art à un moment pareil? Tu ne sais pas ce qui se passe? Tout ce que je sais, c'est que je l'ignore. Typhon, le monde entier a été pétrifié. Les dieux ont perdu leur essence. Il y a des monstres partout. C'est la fin du monde. Ça ne te dit vraiment rien? Pourquoi s'intéresser au passé quand on peut façonner l'avenir? Tu le façonnerais plus facilement avec des mains. C'est Typhon qui te... Mais non, mais moi je le saurais, Trixie. Si je dis oui à toi et qu'on enlève le strike pour ta chaîne, il faut qu'on le fasse pareil pour les autres. Parce que t'es pas le seul à venir en MP demander à ce qu'on enlève le strike. Oh, le stream c'est ma passion, le stream ci, le stream là. Mec, à un moment, ben, vous avez qu'à savoir. T'as qu'à lire les règles de YouTube. Les règles de YouTube, ben, faut les lire. Tu auras la mémoire. Prépare-toi à applaudir. Je sais pas, Trixie, combien c'est. Mais les règles de YouTube, elles sont pas faites pour les chiens, il faut les lire, les gars. Vous acceptez des règles que vous ne lisez pas. Entre nous, je suis le seul à être autant triste, mec, c'est sûr. Non, non, on a strike. On a strike beaucoup, beaucoup de chaînes. J'ai peut-être strike peut-être 200-300 chaînes qu'on a strike à cause des minias. Et il y en a, ils ont carrément plus leur chaîne.
Et t'es pas le seul à venir en MP nous demander d'enlever le strike parce qu'on est triste, parce que le stream c'est ma passion. Nanani nanana, on connaît frère, on connaît, c'est bon. Si vous avez qu'à respecter les règles de truc, de... Vous avez qu'à respecter les règles YouTube, c'est tout. Le vol de contenu, le vol de miniature, c'est puni par un strike, voilà. Là t'en as qu'un, mais si t'en prenais deux ou trois, tu comprendrais que ça serait compliqué. Bref, sur ce, on en est où là? Bref, sur ce, moi les amis, on va s'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain, peut-être demain soir. Ah, dans le week-end en tout cas. Pour un nouveau live. Je vous fais des bisous et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao tout le monde.